J'en ai assez. Ah, ils vont tous rien qu'à m'énerver. Je suis que... S'ils continuent, il va y avoir de la casse. Risque d'accident évalué à 90%. Excuse-moi, étincelle, mais avant que tu ne détruises la forêt, peux-tu me dire pourquoi tu es dans cet état? C'est à cause d'un stupide concours de magie organisé par la reine des fées. En fait, je me moque de pas le faire. Mais ce qui m'énerve, c'est que la reine m'interdit d'y participer. Tout ça parce qu'un jour, je l'ai transformée en grenouille. En plus, je suis sûre de gagner. C'est vraiment trop injuste, ça. Moi, l'injustice, ça me révolte. Et le premier prix, c'est la baguette d'or. La plus grande distinction que peut recevoir une fée. Personne n'a encore réussi à ce que la reine des fées retrouve sa véritable apparence, alors... Et si j'y arrivais, je gagnerais le concours. Tu crois que la reine te pardonnerait si tu réalisais cette prouesse? J'en suis persuadée. Mais j'aurais besoin d'ingrédients très particuliers pour ce sort. Lesquels? Une mèche de cheveux propre de sorcière, des pellicules de troll et un cri de fée enfermé dans une bouteille. On a déjà le cri de fée dans une bouteille. Ça y est, étincelle, tu es prête? Waouh, damoiselle mystère, vous êtes ravissante. Il fait une chaleur étouffante sous ce masque. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver les pellicules d'un troll et une sorcière avec des cheveux propres. Jean, tu peux camoufler le caméléon? Affirmatif, mode enchanté activé. Je me suis trompée, j'ai changé mon champ, Oscar. Toutes les participantes au concours de la baguette d'or sont priées de rejoindre la scène. Vous n'avez pas beaucoup de temps. N'aie crainte, on réussira. J'ai hâte que le concours commence. Moi aussi. Un déguisement, c'est vraiment grotesque. Un masque, quelle horreur. Pousse-toi de là, perdante mystère. Mesdemoiselles, notre souveraine, la reine des fées. Oh, Gloria, ma fée préférée, toujours aussi ravissante. Merci, votre altesse. Qui êtes-vous? Je m'appelle Mademoiselle Mystère, votre majestueuse majesté. Qu'avez-vous de plus que les autres pour croire que vous remporterez ce concours? Un cœur pur, votre altesse, ainsi que la volonté de bien faire et... Et un goût pour les masques ridicules. Le concours comprend 3 épreuves de magie. À chaque épreuve, des concurrentes seront éliminées jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2. Les 2 finalistes seront alors invitées à lancer un sort de leur choix. La fée qui aura lancé le sort qui m'impressionnera le plus se verra offrir de mes mains la baguette d'or, qui est, comme vous le savez, la plus haute distinction que peut recevoir une fée.